Madame, Monsieur, bonsoir. Cette journée de jeudi endeuillée par la mort de Claude Nougaro. Le chanteur et poète s'est éteint ce matin à Paris à l'âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie. L'enfant de Toulouse avait marqué plusieurs générations par son timbre de voix et son style si singulier. Les hommages sont très nombreux ce soir. Depuis la divulgation des menaces terroristes, les autorités n'ont plus de contact avec le mystérieux groupe AZF. L'inspection des voies ferrées n'a détecté aucune anomalie. En Belgique, quatrième journée d'audience dans le procès de Marc Dutroux. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage des familles des victimes, des parents éprouvés qui parfois n'ont pas la force d'assister au débat. C'est un très grand de la chanson française qui nous a quittés aujourd'hui. Claude Nougaro est mort ce matin à Paris à l'âge de 74 ans. Qui n'a pas fredonné le jazz et la java, Toulouse ou Cécile Maffi. Son timbre de voix et ses mélodies jazzy en avaient fait un artiste unique en son genre. Portrait en forme d'hommage signé Michel Monpontet. C'est une toute petite déesse qui a toujours le dernier mot. La déesse chanson. Une voix, un homme, et la déesse chanson, mais avec des mots et du jazz à tous les étages. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille. Avant que la lumière ne s'éteigne ce midi, 41 ans sur scène. 41 ans dans l'arène, et puis KO debout, l'excès à la boutonnière jusqu'à la dernière. Sous ton balcon, comme Roméo. Oh, oh Marie-Christine, je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Les lieux du crime avec de l'orage dans l'air et de l'eau dans le... Bon, on y va. Jazz. Les racines. La ville rose et la prose, bien plus encore la poésie de son canal du Midi. Pourtant, il voulait être roi sous ce ciel-là, celui de l'opéra de papa. Ténor, salarié, mais la déesse chanson qui recommence encore et encore. La vie s'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, léger sur le papier l'archange du réveil. Si j'ai choisi de faire ce métier, c'est avant tout, non pas tellement peut-être pour écrire ce qu'on appelle des chansons, mais pour pouvoir vivre au contact de la voix, de la musique et des mots. Les trompettes de la renommée avaient beau souffler, ce que le Toulousain préféré avait dans la peau, c'était le swing, pas le marketing. Et ses amis, il les avait tous choisis vers le delta du Mississippi. Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Bien sûr, il y avait l'Olympia et tout le tralala. Mais au fond, il préférait les clubs de jazz. Et les amis, et les verres de contact tard, très tard. Et les chansons d'Aldo Romano comme un cadeau, jusqu'au bout. Claude Nougaro avait une tête de boxeur, et pourtant, il savait jongler avec des plumes d'ange. Là où il va, au moins, il ne sera pas dépaysé. Claude Nougaro a toujours entretenu un lien très fort avec sa ville natale, Toulouse. Il en avait fait un de ses plus grands succès. Aujourd'hui, c'est toute une ville qui a perdu un peu de son âme et qui pleure le poète disparu. Isabelle de Lyon, Olivier Combes. Il est mort, Claude Nougaro. Ah ben ça, alors, c'est une grande perte pour la ville de Toulouse et pour le chant de Toulouse. C'est un même cri de stupeur, de tristesse qui jaillit de la bouche des Toulousains bouleversés. C'est quelqu'un que j'adorais. Oh, ça m'a fait de la peine. C'est une figure toulousaine dont la dimension artistique et poétique a traversé les océans, les mers, et qui m'émeut profondément. Place du Capitole, Claude Nougaro est déjà immortalisé comme l'une des figures les plus marquantes de Toulouse qu'il a chanté comme personne avant lui. La ville rose est en deuil,
toutes générations confondues. On a perdu un grand musicien, un grand chanteur, un grand compositeur. Vous touchez même des gens de votre génération ? Même à travers nos parents, parce qu'en plus on est de Toulouse, donc forcément on écoute Claude Nougaro. Il n'y a que lui qui a chanté Toulouse comme ça, c'était magnifique cette chanson. Et puis ici, chaque fois qu'il est venu, on a vu des concerts extraordinaires, des trucs vraiment super avec lui. Et puis on le croisait ici. On voyait parfois Claude Nougaro sur les quais de Garonne où il résidait. Il aimait les petits bars, les marchés. L'ambiance de cette ville où, disait-il, même les mémés aiment la castagne. Il avait gardé l'accent du pays, un exemple pour d'autres artistes. Des gens comme Cabrel ou moi-même, on a comme ça un complexe de notre accent. Alors on se demande si on va pouvoir chanter un jour sans faire rire. Et puis on se réécoute Claude Nougaro et on se dit si c'est possible de chanter de la belle chanson en chantant avec son accent. Un square porte son nom où une rose a été symboliquement déposée. Les Toulousains sont appelés à se rassembler demain en fin d'après-midi au Capitole. Et depuis ce matin, les hommages se multiplient. Jacques Chirac a salué un maître de la chanson française, un poète au grand cœur. Et dans le milieu de la chanson, on regrette cet artiste singulier qui a inspiré un immense respect à ses pairs. Abdel Mostefa, Michel Levasseur. Il est loin mon pays. Il est loin. Je pense qu'il fait partie des très grands, il est au panthéon de la chanson, au même titre que Louis Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel, Gilbert Bécaud et d'autres. L'eau verte du canal du midi. C'était vraiment un musicien des mots, et celui qui a réussi à faire swinguer la musique, enfin le français, la langue française. J'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous de rock. Voilà ce qui laisse de l'exigence, de l'espérance. Et puis alors, pour moi, dans mes souvenirs, des fiestas, mais alors, d'une tendresse inouïe, quoi. S'il fallait lui rendre hommage, je me tairais, vraiment. Je n'irai pas jusque... Non. Je le rends hommage, bien entendu, mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Excusez-moi. Et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Après ce journal, le magazine Envoyé spécial bouleverse ses programmes et diffusera un documentaire exceptionnel de 52 minutes sur l'œuvre et la vie de Claude Nougaro. C'est donc tout à l'heure à 20h55. L'autre grand titre, c'est bien sûr les suites du chantage à la bombe lancé par le mystérieux groupe AZF. Depuis la révélation de l'affaire hier matin, les enquêteurs ont perdu le contact avec les maîtres chanteurs. En tout cas, l'inspection des voies ferrées est ce soir terminée et rien d'anormal n'a été détecté. Zindine Boudaoud, Michel Reprend. L'inspection des voies ferrées n'a rien donné. Aucune bombe, aucun objet suspect retrouvé sur les 32 000 km du réseau ferroviaire français. Depuis hier matin, près de 10 000 cheminots ont inspecté les voies, comme ici à Poitiers. Pas de traces sur les rails, pas de traces non plus dans les petites annonces de libération ce matin. Jusqu'ici, les enquêteurs communiquaient avec le mystérieux groupe par message codé. La première fois, c'était le 19 février. Mon gros loup, ne prenons pas de risques inutiles, le plus tôt sera le mieux, donne-moi tes instructions, signé Suzy. Mais aujourd'hui, au lendemain de la médiatisation de l'affaire, Suzy, c'est-à-dire la police, n'a plus de nouvelles de son gros loup, le groupe AZF. Les indices laissés derrière eux par les terroristes présumés parleront peut-être. Il y a eu quand même des erreurs qui ont été faites de l'autre côté. Si on se passe du point de vue criminel, ces gens-là ont quand même téléphoné. Ces gens-là ont quand même donné un certain nombre d'indications, malheureusement pas assez, parce que l'affaire a été rendue publique, mais ils ont quand même donné un certain nombre d'indications. Avec les lettres de menace, l'indice le plus précieux est sans doute la bombe retrouvée le 21 février sur la ligne Paris-Toulouse. Un explosif de 2,5 kg enfoui sous le ballast de la voie ferrée. Son système de mise à feu élaboré peut mettre les enquêteurs sur la bonne piste. L'incroyable menace qui mobilise aujourd'hui toutes les polices de France est loin d'être une première en Europe. Nos voisins allemands et anglais ont déjà été confrontés à ce type de chantage à la bombe. Et chez nous, en 84, un groupe baptisé M5 s'en était déjà pris à la SNCF. Agnès Gardet, Olivier Robert.
Nom de code M5. M comme Maîtret, 5 comme le mois de mai, 5e mois de l'année, anniversaire de Thierry Maîtret, ici à gauche. Il posait les bombes, son complice à droite les fabriquait. Pendant 10 jours à l'été 84, ils ont terrorisé le pays. Leur cible, 2 gares SNCF à Lyon et Grenoble, ainsi qu'un centre culturel à Annecy, où une bombe a fait 5 blessés, dont une femme amputée. Que voulaient-ils ? 30 millions de francs. Ils utilisaient des cabines publiques pour fixer les modalités de règlement. Un contact jamais rompu jusqu'au dénouement. On négocie toujours parce qu'il faut parler à ceux qui vous menacent. Les ignorer complètement serait stupide. Mais il y a un certain nombre de limites qu'on ne dépasse pas. Et en particulier, normalement, on ne doit pas payer de rançon. Mais pourquoi ? Parce que vous encouragez à ce moment-là des vocations futures. Le racket à la bombe, les Allemands eux aussi en ont fait l'expérience. Là encore, les chemins de fer sont la cible. Là encore, le saboteur exige une rançon. Peter Klaus, 47 ans au chômage, réclame 10 millions de marques à l'État, l'équivalent de 5 millions d'euros. Il sera finalement arrêté au cours d'une fausse remise d'argent. La justice allemande l'a depuis condamné à la prison à vie. En 1994, en Angleterre, un groupe baptisé Mardi Gras s'en est pris à cette enseigne ainsi qu'à une banque à 36 reprises. Objectif, de l'argent. Il faudra 3 ans au limier de Scotland Yard pour identifier les auteurs, 2 frères, sexagénaires, condamnés à 21 ans de prison. Arlon, celui qui était entendu aujourd'hui comme témoin dans le procès de Marc Dutroux, est un héros en Belgique. Il s'agit du juge qui était à l'origine de l'arrestation du pédophile en 1996. Le magistrat a retracé les difficultés rencontrées au cours de sa très courte enquête. Dominique Verdeillan, José Boulestex. Un héros fatigué. Jean-Marc Conrot a toujours les faveurs de tout un peuple, mais aujourd'hui c'est un homme atteint, touché. La démarche est hésitante, le visage amaigri, la voix est morne. Visiblement, le juge n'a toujours pas digéré son dessaisissement en octobre 1996 pour un plat de spaghettis partagé avec les victimes. Le juge dépeint un climat de pression exceptionnel. La protection rapprochée ou la surveillance dont il fut l'objet, il emploie même le terme de contrat sur sa tête. « Je n'ai jamais su l'origine de ces menaces, dit-il. Je pense à une manipulation orchestrée par la hiérarchie de la gendarmerie pour me contrôler, me mettre sous cloche. A-t-on voulu discréditer le travail du juge ? Il le pense sans en avoir la preuve. » 2 mois d'enquête seulement pour accumuler des charges. La cage de Marc Dutroux était d'un professionnalisme effrayant, assène-t-il. Il décrit Michel Nioul comme un escroc proxénète, mais rien ne l'implique directement, poursuit-il, dans les faits jugés ici. Comment vous qualifiez ce travail du juge Conrot, ce travail d'instruction, comment vous le qualifiez ? Manque de synthèse, pas de synthèse. Et la synthèse, c'est la force de l'intelligence. Et dans cette déposition longue de 5 heures, une phrase terrible à retenir. Jean-Marc Conrot évoque le manque de communication entre la gendarmerie et la justice dans le dossier de la disparition de Julie et Mélissa. À l'été 95, dit-il, tout était là pour élucider l'affaire. Et si le juge de l'époque avait eu les éléments, il aurait fait en août 95 ce que j'ai fait en août 96, autrement dit, libérer les fillettes. Un procès qui est vécu bien sûr douloureusement par les 6 familles des victimes, déjà éprouvées par 8 ans de procédure. Toutes n'ont pas souhaité assister au procès. Seuls les parents d'Anne sont présents tous les jours au palais de justice, comme pour faire leur travail de deuil. Caroline Gauthier, Yasmina Farber, Jean-Marc Nouknouk. On est avec vous, on est courage, courage. À la sortie de l'audience, après 8 heures de débat, souriants, disponibles, tels sont toujours Betty et Paul Marshall, les parents de l'une des victimes de Dutroux, Anne, 17 ans et demi. Ce procès, ils ont choisi de le vivre pleinement, assister à tous les débats, répondre à toutes les sollicitations médiatiques, réagir à chaque nouvelle déclaration de Marc Dutroux. Qu'est-ce que j'ai ressenti Rage, vraiment. Tous deux se sont préparés pendant des mois à ce face-à-face terrible avec le bourreau présumé de leur fille. D'origine flamande, ils ont perfectionné leur français pour qu'à l'audience, rien ne leur échappe, même le plus douloureux. Quand on a un moment que ça ne va pas, on peut sortir. Hein. Mm-hmm. Parce que ça n'aide à rien de crier ou de, je ne sais pas, de faire des gestes. C'est aussi que c'est la dernière chose qu'on peut faire encore pour notre fille Anne. Hein. C'est
de suivre le procès, de voir que les accusés sont punis. Un même drame unit les Marshall et Jean-Denis Lejeune. Le père de la petite Julie suit lui aussi attentivement le procès, mais il n'est pas présent à Arlon. Les pressions médiatiques, les confrontations avec les avocats de la défense, trop dures à supporter après 8 ans de combat. Je ne suis pas spécialement prêt maintenant pour aller à ce procès. Mais je ne me sens pas prêt, mais ce n'est pas pour ça que même si j'étais prêt, que j'irai. Je vous l'ai dit, c'est un procès que je ne cautionne pas. Vous n'en attendez rien? Pas grand-chose. Ce que j'attendais, c'est un 95, c'est qu'on me ramène ma fille le plus rapidement possible. Ça, on l'a vraiment espéré et attendu. Et là, ils ont raté l'occasion, ou bien ils ne l'ont pas voulu. Une présence discrète, mais quotidienne pour le père des Fieux. La venue hier de la maman de Laetitia, l'une des rescapées. Comme ils le peuvent, les parents des victimes traversent cette douloureuse épreuve. Ce terrible drame à Marseille, un adolescent de 16 ans a été tué et un autre blessé par un homme qui les a poignardés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur serait un déséquilibré, un homme de 53 ans qui aurait entendu des voix. Il s'est rendu aux forces de l'ordre, le couteau à la main. Et à Marseille encore, le vigile d'un supermarché a été tué d'un coup de couteau hier soir lors d'une bagarre. La scène était entièrement filmée par les caméras de surveillance. La victime a été atteinte en plein cœur lors d'une violente altercation avec 3 autres personnes. Plus tôt dans l'après-midi, les agresseurs avaient été surpris en train de voler dans le magasin. La victime, Samir Assegna, avait 33 ans et était père de 3 enfants. Il y a 1 an, Nicolas Sarkozy décidait d'améliorer les conditions de la garde à vue. Une circulaire est depuis en application. L'objectif est d'humaniser ces quelques heures passées au commissariat. Mais sur le terrain, ces mesures font grincer les dents des fonctionnaires de police. Amaury Guibert, Philippe Murgeon. C'est une affaire de petite délinquance. On va à l'OPJ. Le quotidien au commissariat de Nogent-sur-Marne. À l'origine, une série de cambriolages. 2 suspects arrêtés et placés en garde à vue la veille. Depuis, les policiers enchaînent interrogatoires et confrontations. Donc c'est moi qui mène les débats. Oh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est l'auteur. Moi, je sais pas. Une garde à vue très encadrée par la procédure est soumise à de nouvelles règles. Donc vous avez le choix. Donc le plat numéro 1, c'est la volaille avec des lentilles. D'accord. Deuxième plat, c'est du riz. Troisième plat, c'est des pâtes. Le problème, c'est qu'on n'en a plus. Là. Donc, Donc, vous m'avez dit du riz, hein. C'est bien ça ? Pour le déjeuner et le dîner, un policier doit désormais préparer le repas des gardés à vue. En fait, il s'agit de réchauffer au micro-ondes une ration plutôt sommaire. C'est gâteau de passer les bouches. On regarde manger et puis une fois que c'est fini, on le débarrasse et puis on le remet en cellule. En fait. Voilà. Ça prend combien de temps ça en général? Généralement, ils mettent 10 minutes pour manger un repas. Quoi. Et cumulé avec toutes les gardes à vue, cela peut prendre du temps. Jusqu'ici, on s'arrangeait comme on pouvait pour les repas. Si les gardes à vue avaient les moyens, ils payaient de leur poche. Sinon, les policiers s'en chargeaient en achetant par exemple un sandwich. L'autre amélioration concerne les cellules. Explication avec l'officier spécialement chargé de s'occuper des conditions de garde à vue. Comme vous pouvez voir, bon, c'est des matelas qui sont assez fermes. On peut maintenant en fait dormir dans une cellule de garde à vue. Avant, on n'était à disposition qu'une couverture et le banc, donc en bois, ce qui était un peu dur parfois. Voilà, ça reste quand même assez étroit comme lit. Hein. Oui, malheureusement, en fait, malgré toutes les dispositions qui peuvent être prises, on ne peut pas pousser les murs. Hein. Et de fait, beaucoup préfèrent dormir par terre. Matelas, repas chaud, cela devrait coûter plus d'1 million d'euros cette année au ministère de l'Intérieur. Les syndicats de police approuvent ces améliorations sur le principe. Pour que ça s'améliore, il était temps pour le pays des droits de l'homme, certes. Maintenant, moi, ce que je trouve le plus choquant, c'est qu'on nous fait beaucoup de communication sur ces faits-là, sur ces conditions de garder à vue, mais d'un autre côté, les fonctionnaires de police sont maintenant plus mal lotis que les gardés à vue eux-mêmes. Dans le commissariat de Nogent-sur-Marne, où l'on nous a autorisé à tourner, les conditions de travail des policiers sont correctes. Mais ce n'est pas toujours le cas dans les 683 sites de garde à vue de la police nationale.
En Haïti, 800 Français sont actuellement déployés dans le pays. Selon l'état-major, ce déploiement aux côtés des Américains a permis de donner un coup d'arrêt à la spirale de la violence. Quant à l'ancien président Aristide, il a annoncé dans un entretien qu'il voulait rentrer dans son pays et a accusé la France d'être complice des États-Unis dans son enlèvement. Le seul suspect condamné pour les attentats du 11 septembre 2001 aura droit à un nouveau procès. Le Marocain El Motassadek vient d'obtenir gain de cause auprès de la Cour suprême allemande. En février 2003, il avait été condamné à 15 ans de prison par la Haute Cour de Hambourg. On peut dire que depuis hier, George Bush s'est réellement lancé dans la campagne pour la présidentielle. Quelques heures à peine après l'investiture de John Kerry lors des primaires démocrates, le président américain a lancé sa première campagne de publicité. Il s'y présente comme un dirigeant solide et déterminé, tout en veillant à éviter la question de la guerre en Irak. Alain de Chalvron, Aaron Diamond. C'est parti. Et les Américains qui sont allergiques à George Bush devront prendre leur mal en patience. Ces spots publicitaires à la gloire du président vont être omniprésents jusqu'en novembre. Liberté, foi, famille, sacrifice, ce sont les vertus défendues par George Bush. George Bush, qui se met en scène directement dans un clip avec sa femme, c'est le couple qui parle et il sait de quoi il parle. Je sais exactement où je veux mener ce pays, dit-il, donnant l'image d'un président ferme et déterminé, mais aussi proche des gens. Et pour ceux qui ne parleraient pas bien l'anglais, George Bush prend son plus bel accent espagnol. Des messages qui passent prioritairement dans une quinzaine d'états clés, susceptibles de changer de bord. Et tout cela serait sans problème s'il n'y avait cette image. L'utilisation du drame du 11 septembre à des fins partisanes, qui provoque déjà une tempête dans la presse et plus encore parmi les familles des victimes. Et c'est du coup un Bush presque sur la défensive qui bat la campagne en Californie, réservant ses piques à John Kerry comme pour faire oublier cette gaffe. Le sénateur, dit-il, a passé son temps au Congrès à dire tout et son contraire sur la plupart des sujets. Chercher la contradiction chez l'adversaire de façon à le dépeindre comme une girouette inconstante. Cela va être le sport favori de l'équipe de campagne de George Bush. Et bien sûr, en 20 ans de Sénat, John Kerry en a eu des contradictions. Elles feront sans doute les délices des prochains spots publicitaires. Deux décisions de justice font avancer le combat mené par les victimes de l'amiante. D'abord, la Cour d'appel de Paris vient de doubler les indemnisations accordées à 6 personnes l'an dernier. Et puis, le Conseil d'État a confirmé la responsabilité des pouvoirs publics dans la contamination de salariés. Isabelle Rio et Fabien Delory ont rencontré la veuve d'une de ces victimes. Véronique Le Gourguirec tourne les pages de 12 années de sa vie. Elle ne peut pas encore tourner celle sur la disparition de son mari. Un deuil, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire comme ça, on ne claque pas des doigts en disant « je fais mon deuil aujourd'hui ». Il faut que les choses soient comprises et admises. Aujourd'hui, moi, ça va faire 12 ans qu'on est décédé, je ne l'ai toujours pas fait. Parce que je n'ai pas admis et je n'ai pas encore compris pourquoi il était décédé. Patrick Olive avait 19 ans lorsqu'il intègre France Télécom. 14 années à installer des câbles dans les sous-sols des immeubles. Il a 33 ans lorsqu'il est emporté en 9 mois d'un mésothéliome, un mot qui veut dire amiante. Véronique demande alors à France Télécom de reconnaître le lien avec l'activité professionnelle de son mari. On a été un peu bousculé par la volonté de faire cette démarche parce que quand mon mari était malade, 4 autres de ses collègues également souffraient de cancer. Et on se demandait d'où ça pouvait venir puisque ses 4 collègues étaient âgés entre 30 et 35 ans et sont tous décédés dans la même période également. L'action pénale aboutit à un non-lieu. Le combat continue. Il faut attendre 10 ans pour qu'un expert reconnaisse le lien du décès avec les conditions de travail, des conditions qui pourtant auraient dû protéger Patrick Olive au terme de la loi de 77. Ce qui est paradoxal, c'est que mon mari travaillait dans une entreprise publique, une entreprise d'État. Alors, en 77, l'État vote cette loi. En 78, mon mari intègre France Télécom, donc entreprise d'État, qui d'un côté vote les lois, mais de l'autre côté ne les applique pas. Véronique se bat pour ses 3 enfants. La décision du Conseil d'État la soulage, car plus que l'indemnisation, c'est la reconnaissance des victimes qui importe aux familles.
Des peines de prison avec sursis pour les auteurs d'un entartage, un jugement sans concession du tribunal correctionnel de Bobigny. Les faits remontent à septembre 2002. Cinq hommes, des militants d'extrême droite, avaient recouvert d'encre et de mousse à raser le prêtre de la basilique de Saint-Denis. Il lui reprochait d'avoir hébergé des sans-papiers dans son église. Anne Guéry, Alexandre Renard. Le visage et la soutane souillés de mousse à raser et d'encre. C'était le 15 septembre 2002, le père berger se prépare à dire la messe quand cinq hommes l'aspergent de ce mélange, puis le photographie écrit à Balislam. Une agression contre ce prêtre qui a toléré dans son église à l'été 2002 une manifestation de sans-papiers, et c'est un sacrilège pour les cinq militants d'extrême droite. Le curé, écrivent-ils dans un tract, est un collabo de l'invasion. On voulait juste rigoler, diront-ils devant les juges. C'était une blague, diront leurs avocats. C'est un moyen radical, c'est aussi un moyen de potache. Ils ont utilisé de la mousse à raser, ils auraient dû mettre de la crème chantilly. Ils auraient fait ainsi comme M. Godin, l'entarteur belge. Ils diront aussi qu'ils avaient des intentions nobles. Alors pour mieux comprendre ces intentions, les juges font la liste des breloques retrouvées à leur domicile. Drapeaux nazis, cassettes de chants SS, revues racistes et puis des armes. Alors les avocats minimisent. Après tout, le prêtre n'a pas été terrorisé. Et pourtant le père berger, 70 ans, s'en souvient encore. Quand vous commencez à dire la messe, que vous commencez à ouvrir la bouche pour commencer la prière de l'église, et puis qu'il arrive un truc comme ça, ah oui, oui, certains ont trouvé que j'avais, comment dire, je n'avais pas été bouleversé immédiatement, puisque j'ai quand même dit la messe un quart d'heure après, mais j'ai pourtant vous dire que j'avais qu'une hâte, c'est que ce soit terminé, et de me retrouver un peu seul. Enfin non, j'étais choqué, bien sûr, oui, oui, oui. Les juges ont tranché. Ce n'était pas une blague, mais de la violence. Trois peines de prison avec sursis, deux amendes de 500 euros, des peines inscrites au casier judiciaire, en clair pour les cinq hommes, c'est l'interdiction d'exercer dans la fonction publique. Marc Maregiano et Hervé Lalin, qui rêvaient d'être professeurs d'histoire, devront y renoncer. Et le surveillant pénitentiaire Guillaume Duchesne devrait être suspendu. La loi sur la laïcité à l'école définitivement adoptée après l'Assemblée nationale le mois dernier, c'est le Sénat qui a voté tard hier soir l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires. Gros plan ce soir sur la Picardie, c'est Gilles de Robien, le ministre des Transports, qui va tenter de garder cette région à droite. Le défi cette fois sera de gagner, mais sans les voix du Front National. Les cinq listes en compétition s'affrontent sur le thème de l'emploi dans cette zone particulièrement sinistrée. Mathias Illion à la location. La Picardie vit au rythme des plans de licenciement. Dernière victime en date, les 136 salariés de Dossy au Plessis-Belleville. Il y a 9,5 millions d'accord, mais il ferme et sous quelle forme? Liquidation judiciaire? Pour le candidat communiste, il faut empêcher ces délocalisations ou sanctionner ces grandes entreprises. Ils ont eu des fonds publics. S'ils veulent s'en aller, veulent fermer, il faut qu'ils remboursent les fonds publics. Paradoxalement, le Front National fait des propositions similaires dans une région fortement touchée par le chômage. Il faut conditionner d'ailleurs les aides publiques, les aides du Conseil régional, payés avec l'argent du contribuable, il faut les conditionner par un contrat empêchant tout licenciement dans les entreprises subventionnées. Pour le candidat socialiste, lutter contre le chômage, c'est avant tout lutter contre la sous-qualification des Picards. Le laser connaît sa position par rapport à ce repère-là, par exemple. Exemple à suivre, cette université de Saint-Quentin qui forme au métier de webmaster ou d'ingénieur informaticien. On reste sur de l'emploi peu qualifié, mal payé, et on est dans une spirale infernale. Et la seule façon de sortir de cette spirale, c'est de se servir d'une façon forte, en levier, de la formation des hommes à tous les niveaux. Gérée par la droite, la région investit déjà dans la formation. Même avec un diplôme, rares sont les jeunes qui voient leur avenir en Picardie. Moi je pense repartir dès que je pourrais. Pourquoi? Bah, il n'y a pas grand chose dans le coin, c'est un peu perdu. Et niveau boulot, je crois que c'est un peu le chômage quasiment les plus élevés de France. Ce désarroi inquiète le seul ministre UDF du gouvernement, candidat d'union avec l'UMP. Il y a des gens qui vont manifester leur hostilité ou leur malheur ou leur tristesse vers des listes peut-être extrémistes. Ils ont tort. Au régional de 98, la droite l'avait emporté avec les voix du Front National. Cette fois-ci, elle a promis qu'il n'y aurait pas d'alliance. Le salon de l'agriculture reste un lieu propice pour tester sa popularité quand on est homme politique. Et durant toute la semaine, les leaders de gauche et de droite se sont succédés. Aujourd'hui, c'était au tour de Jean-Pierre Raffarin d'arpenter les allées du parc d'exposition. Il est bien sûr passé par les stands consacrés au Poitou-Charentes, région à l'honneur cette année.
Une nouvelle technique pourrait bientôt améliorer le rendement des cultures. Une technique qui utilise des photos satellites. Elles permettent une meilleure vue d'ensemble et donc une meilleure répartition des engrais. Dans l'Eure-et-Loire, Nicolas Châteauneuf, Virginie Travers. Comme tout agriculteur, Thierry Huveau scrute souvent le ciel. Mais aujourd'hui, il l'a entre ses mains. Voici en effet une photo satellite de son champ de colza prise il y a quelques jours et retravaillée par ordinateur. Une image qui lui apporte de précieux enseignements sur sa parcelle et va lui permettre de mieux doser ses engrais. Les zones vertes correspondent à des zones à bon potentiel de rendement, jaune potentiel inférieur et rouge potentiel vraiment avec un souci. Donc le but de ce photo satellite, c'est d'adapter mon engrais par rapport à ces zones et par rapport à ce potentiel de rendement. Cette image a été prise à 800 km d'altitude par le satellite français Spot 5. Cette année, près de 100 000 hectares seront photographiés. De cultures sont concernées le blé et le colza. Mesure de la masse végétale, teneur en chlorophylle, les images sont analysées à Toulouse et envoyées aux agriculteurs qui ont souscrit un abonnement de 10 à 12 euros par hectare et par an. Pour les recevoir, pas besoin de déployer d'antenne. Elles arrivent par mail ou par courrier. Un nouvel outil qui permet aux agriculteurs de ménager l'environnement, un thème qui leur vaut souvent des reproches. Un nouveau métier, on apprend aussi cette agriculture de précision. On est très précis pour être le moins pollueur possible. En 3 ans, même si elles sont encore très minoritaires, les surfaces étudiées par satellite ont été multipliées par 25. Et si le système continue à gagner la confiance des agriculteurs, il pourrait bientôt être élargi aux parcelles de betteraves et de maïs. L'armée recrute et lance une campagne pour attirer 3700 personnes dans une cinquantaine de métiers différents. Depuis 4 ans, les femmes aussi ont le droit de rêver de piloter par exemple un Mirage 2000. Et contrairement aux idées reçues, bien pas la peine d'être fort en maths, l'armée recrute au niveau bac. La sélection se fait beaucoup plus sur la personnalité et l'aptitude psychotechnique. À Nancy, le reportage de Thierry Curté, Sylvain Dobat. Pour un avion qui vole, comptez 50 hommes au sol. Sur les 3700 personnes recrutées cette année, l'armée de l'air cherche 200 pilotes. Et depuis 1999, le dernier bastion machiste est tombé, pris d'assaut par 6 femmes, devenues pilotes de chasse. Pas de privilège, pas de signe distinctif, sauf... Donc il t'a reconnu, je sais pas comment. Peut-être à la voix d'ailleurs. Peut-être à la voix, oui. Je pense que Coca à la voix, ça doit aider. C'est très agréable. C'est vraiment un régal d'avoir cette jolie voix qui nous parle à la radio. Non, enfin, je plaisante, ça change vraiment rien. On a la chance en plus qu'elle a un comportement très, très standard. Une femme pilote, cela interpelle encore le visiteur. Il se dit alors qu'il a affaire à une grosse tête, pleine de maths. En fait, il existe une autre voie. Son bac, en fait, il y a un concours pour rentrer dans l'armée de l'air. Ça nous permet de rentrer en ayant que niveau bac. Il n'y a pas que maths sup, maths spé. Il ne faut pas être une tête en maths pour y arriver. Un bac, puis la voie interne. Alix Chénion suit en fait le même parcours que plus de 50% des pilotes de l'armée de l'air. Une fois en escadron, les missions sont les mêmes. Je conseille aux autres filles une condition, qu'elles soient motivées, qu'elles aiment les milieux masculins, parce que c'est quand même pas facile tous les jours. Et sinon, en quelle France, il n'y a aucun problème. La mission du Mirage 2000D, le bombardement. Si pour l'instant, aucune femme pilote n'a été engagée dans un conflit, cela arrivera immanquablement. Pilote d'avion, pédiatre ou simplement pin-up, 45 ans d'existence, Barbie a évolué avec l'image de la femme dans la société. 1 milliard de ce mini mannequin s'est déjà vendu depuis près d'un demi-siècle à travers le monde. Alors difficile pour les parents de résister à la pression, d'autant que Barbie a désormais des concurrentes féroces. Nicolas Lemarinier, Diane Richard. Ils ont des rides et des cheveux blancs, pourtant ce sont les derniers-nés de la famille. Mamie et papy ont rejoint Barbie, Ken et les autres dans les coffres à jouets des petites filles. On est mon sœur et là-dedans. Tu en as combien, toi, des poupées Barbie ? 30. 30 ? 30 poupées, c'est beaucoup, et cela explique pourquoi il s'en est vendu plus d'un milliard depuis sa naissance en 1959. En 45 ans, la blonde pulpeuse n'a pas pris une ride, s'est habillée chez les plus grands couturiers et elle a évolué avec la société. Moi, cela ne m'a pas étonnée. J'espère que Barbie va vivre longtemps en reflétant toujours les changements de la société. Barbie symbolise tant la femme occidentale qu'en URSS ou en Iran, des rivales locales ont essayé de la détrôner. En vain. Ce que l'Union soviétique n'a pas réussi à faire, les Lolitas vont peut-être y parvenir. À 8-10 ans, elles aiment la mode et le maquillage. Profitant de cette tendance, de nouvelles concurrentes font un tabac dans les rayons.
Les petites filles sont matures plus tard. Elles veulent s'identifier aux jeunes ados, d'où l'apparition il y a environ 3 ans d'une nouvelle gamme de poupées, les poupées Bratz, qui sont des poupées qui ne représentent plus maman, mais les jeunes ados. Un univers d'ados, du maquillage et des fringues, bref, tout pour séduire cette nouvelle clientèle. Alors, même si elle reste largement leader, Barbie a laissé tomber la robe de princesse et s'est relookée. Ses amis font du rap, du hip-hop, et puis la poupée a les reins solides. Chaque seconde, il se vend 3 Barbie dans le monde. Allez, pour les garçons, un mot de football. Auxerre s'est qualifié hier pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA 1-0 face au Grec du Panathinaikos. But signé Kalou. Et le tirage au sort pour les matchs allés a eu lieu aujourd'hui. On connaît donc les adversaires des 3 clubs français. Bordeaux jouera à domicile contre Bruges, Auxerre à domicile également contre les Hollandais du PSV Eindhoven et Marseille se rendra en Angleterre à Liverpool. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Olivier Mazan reçoit François Bayrou à Bordeaux. 20h55, envoyé spécial. Ne manquez pas ce documentaire exceptionnel sur l'œuvre et la vie de Claude Nougaro. Bonne soirée à tous. Lundi, vous retrouverez David Pujadas. Et on se quitte sur la mélodie de la chanson préférée de Claude Nougaro, Danser sur moi. Vous allez le découvrir en 79 sur le plateau d'une émission de télévision à Toulouse. Danser sur moi. Danser sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé le feu. Sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Danser sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.